Norbert, c'est un peu la force tranquille. Moi, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui est très agréable à vivre et avec qui c'est très agréable de travailler parce qu'en effet, il est très posé, il est très calme. Norbert, ça fait je sais pas, plus de 20 ans que je le connais, en fait. Donc, on a fait pas mal de choses différentes, avec des groupes différents. Et voilà, c'est une famille. Mais bon, on voit tout de suite qu'on a des liens de parenté, je dirais, quoi. Quand j'ai commencé, il était un petit peu plus âgé que moi, donc je ne sais pas de combien d'années, mais il y a des âges auxquels la différence de 10 ou 15 ans est très importante. Et c'est quelqu'un qui, avec un copain à moi avec lequel on jouait, nous a beaucoup aidé, indiqué à d'autres groupes ou choses. Donc voilà, c'est retrouver aussi sa famille un petit peu. Donc je ne dis pas que je viens faire la musique avec Norbert, je viens retrouver ma famille et on s'amuse ensemble, quoi. Comme vous l'avez dit, il y a une grosse énergie derrière parce qu'il y a un gros vécu, qu'il y a un gros passé, qu'il y a beaucoup d'expérience et qu'il y a une passion énorme. Et Norbert, ça a été très facile parce que j'ai écouté tout ce qu'il a toujours fait depuis longtemps, donc je savais qu'il s'intéressait vraiment à tout genre de musique. Donc quand je suis venu jouer avec Norbert, je savais qu'on avait le même langage à peu près, quoi. Quand on a enregistré l'album, par exemple, on avait carte blanche. Et je pense qu'il a aussi embauché les gens, enfin il nous a demandé à nous parce qu'il savait un petit peu ce que nous on allait apporter, en fait, modestement. Hein. Mais voilà, chacun a sa couleur, voilà. Et je pense que ça c'était important pour lui, en fait. C'est sûr que c'est une position toujours intéressante que d'être, on va dire, je mets des guillemets, un leader d'un band comme ça. Et c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur de voir le croisement des énergies de ces personnes-là qui est, ben, voilà, c'est ça, ça allait matcher ou pas, quoi, voilà. Et là ça matchait tout de suite, évidemment, parce que il y a tellement de l'humain dans chacun que c'en est fatigant même, presque, je dirais. Non, c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Norbert a juste besoin qu'on crée une osmose entre musiciens avant de jouer. C'est juste ça, c'est les morceaux, franchement, c'est nos morceaux, quoi. On les joue, c'est notre disque, quoi. Moi, je sais où il va, lui, il sait où je vais. Et le bassiste, tout le monde, on se connaît, on sait où on va. Donc, il peut commencer un morceau, on commence à l'accompagner, même si on ne l'a pas répété. Et ça va aboutir à quelque chose quand même, parce que quand tu aimes une musique, tu la joues comme si c'était la tienne, quoi. Et donc, c'est ça qui arrive avec le travail qu'on fait avec Norbert. C'est du oui, c'est du blues, mais il y a tellement de choses différentes dans le blues. Il y a le blues d'origine, et puis après, c'est pareil qu'en classique. Au départ, il y avait certaines règles, il y avait aussi le fait que les musiciens jouaient avec des instruments qui étaient basiques, et puis ça a évolué. Et le blues a aussi évolué, comme le classique, je dirais, comme le jazz. On a la chance de donner un concert, et puis de faire revivre cet univers-là avec mes amis. Donc je suis vraiment heureux, quoi. C'est ce qui est génial, c'est que chaque soir, le même morceau, on ne va pas le raconter de la même manière en fonction de dans quel mood nous on est. Se dire, bah, hier j'étais là-dedans, donc j'ai raconté ça, mais ce soir, en fait, je ne vais pas du tout raconter la même chose. Pourtant, c'est le même morceau. C'est cette liberté-là qui est géniale, que moi j'aime. Voilà. Là, franchement, ça faisait à peu près un an ou deux que j'avais fait deux concerts. En deux ans, ça fait un concert par an, ça change beaucoup des autres années. Et là, que ça se passe ici, c'est bien. Et puis je remercie même la maison qui nous accueille ici. On a joué ici déjà en première partie de Larry Carlton. Et avec tout ce qui se passe, ils ont été les premiers à nous donner cette occasion-là. C'est génial, quoi. Moi, je remercie, c'est super. De pouvoir s'exprimer comme ça, là, jouer en concert, c'est une belle opportunité. Voilà, la quand on en fait souvent, la musique beaucoup, quasiment tous les jours, qu'on fait quelque chose, un concert, un enregistrement, quoi, bah, à chaque fois c'est un moment différent,
encore une fois, je ne veux pas passer pour le footballeur de service, mais c'est match après match. Et donc, l'idée, c'est que ce match, eh ben, que ça se passe bien, qu'on prenne du plaisir, pourquoi pas gagner. Et voilà, quoi. Il y a évidemment le lien musical qui... des expériences qu'on a eues avec les uns et les autres, hein, que ce soit avec Christian d'un côté sur des projets et d'autres projets avec Félix ou avec Laurent depuis pas mal d'années maintenant, et puis Jessie Lee depuis plus récemment. Il y a vraiment une histoire d'amour qui s'est installée, hein, ça c'est clair. Alors bon, moi j'aime déjà ce qu'ils font, mais je suis fan à fond de chacun, et je crois qu'ils me renvoient bien la balle, quoi. Ce qui est important, c'est ce qui se passe, parce qu'il y a aussi des moments de fragilité, on va dire, et puis des moments où on va aller quelque part, et en fait, on ne sait pas réellement où on va aller. On emprunte des chemins. Je me souviens d'une version, de la version d'Old Blues qu'on a faite ici. On n'avait absolument pas prémédité ce qui s'est passé. Et il y a eu des choses assez magiques, en fait. Donc, il faut, je pense que c'est important d'être suffisamment... ouvert pour pouvoir être présent à ce qui se passe réellement et éventuellement changer les chemins qu'on avait prévus. Une des qualités, c'est quand il y a de l'interaction entre nous, que c'est libre, qu'on ne sait pas à la limite trop ce qui va se passer, mis à part le canevas qu'on a quand on commence un morceau, mais que ça soit libre, qu'il y ait de l'interaction qui génère l'émotion, qui génère la surprise, ça peut être des éléments qui font de la bonne musique. Il y a des musiques très préparées qui sont aussi de la très bonne musique, peut-être même meilleure, mais en l'occurrence, et ce qu'on va faire là, c'est jouer des morceaux qu'on a répétés un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de liberté. Cette humanité qui est forte, et évidemment, elle transpire sur scène parce que on se regarde pour ça. Moi, quand Laurent fait une partie de basse auquel je m'attends pas, c'est fun, quoi. Je le regarde. Félix, quand il est sur quelque chose d'intense, aussi je le regarde. Christian fait la note de réponse à ce que je viens de jouer, c'est magnifique. Et puis Jessie est en train de chanter. Moi, j'ai envie d'arrêter, de me poser, d'écouter, quoi. Voilà. Bah je pense que déjà, il faut déjà être bien ensemble sur scène. C'est déjà ça qui transpire. Ça, c'est clairement parce que ce que je viens de dire à l'instant, en tant qu'auditeur, ça m'est arrivé de voir des très grands puis de m'ennuyer parce qu'il n'y avait pas cette magie, il n'y avait pas ce partage. Déjà entre les musiciens et avec le public. Quand on joue, on est un peu à l'affût, et qu'est-ce qui va se passer? On baisse, on fait des nuances, un petit clin d'œil, machin. Des fois, ça aurait peut-être même pas été la peine de se faire le clin d'œil, parce que le bon sens musical nous aurait amené à mener la musique là où elle nous guidait. Je crois que c'est très important d'avoir l'écoute. Ça, déjà, c'est primordial, l'écoute. Et puis l'osmose, quoi. Et ça fait appel à des qualités d'écoute, donc de musicien, qui à mon avis semblent essentielles pour prendre du plaisir. C'est une sensation, hein, on sait que c'est là, on ne sait pas trop... si on savait quand c'est, si c'était aussi analysable que ça, on la trouverait toujours. Et malheureusement, on ne la trouve pas toujours. Parfois, on ne sent pas forcément le retour du public. On se dit « Ah, ce soir, c'était bizarre !» C'était froid, etc. Et puis à la limite, les gens viennent vous voir après et vous disent oh, « Mais c'était merveilleux, vous avez fait des choses merveilleuses. » Et puis alors que nous, finalement, on ne le sentait pas forcément. Donc, surtout ne pas avoir d'a priori. Même quand on est sur scène, même si on sent des choses, on se dit « Ah, ça répond pas. » Et parfois, on se trompe, en fait.
morceaux qu'on joue avec Norbert qui sont quand même des morceaux un petit peu, enfin pas forcément compliqués, mais où on va toucher des harmonies un peu, qu'on va dire, tendues. Hein, c'est ce qu'on dit dans notre langage, notamment dans certains morceaux qui se rapprochent de l'esprit de Miles Davis vers la fin. Il y a des choses qui sont très, très tendues au niveau des harmonies. Alors parfois, pour les oreilles qui ne sont pas forcément habituées, on se dit tiens, c'est curieux là, je ne comprends pas forcément ce qui se passe. Et puis à côté de ça, il y a des choses qui sont très, très roots, on va dire, donc très, qui paraissent très simples, avec trois accords, mais trois accords bien interprétés, ça peut vous faire hérisser les poils. C'est le plus important en fait. Pour moi, ça restera toujours une musique Cap à d'âge, voilà, c'est-à-dire que le blues, ça fait un siècle qu'on a les premiers enregistrements, mais on ne sait pas depuis quand, voilà, c'était vraiment joué, sûrement bien plus que ça. On peut toujours amener des choses nouvelles et la lecture que j'en fais n'est pas la même que celle que Norbert en fait et pas la même que celle que Laurent en fait et c'est ce mélange des différentes lectures et des différentes culture, parce qu'il y a tellement de manières de la jouer, déjà en fonction d'où on vient géographiquement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit même ici, voilà, en France, c'est très riche, et le mélange de tout ça donne un truc qui est unique, et voilà, moi, et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette musique? Je dirais l'authenticité. Moi, c'est ça qui me touche le plus. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Ça nous rapproche beaucoup parce qu'on est fan des mêmes artistes et qu'on a écouté les mêmes guitaristes, en tout cas une grosse partie, et qu'on a cette culture commune là. Après, Norbert, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à la voix aussi, à la musique d'une manière générale, mais c'est ça qui me touche le plus. C'est quelque chose qui est très... quelque chose de l'âme qui est très vrai et qui est très authentique. Et je pense que c'est un peu le fil conducteur de cette musique-là. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. En fait, j'aime accompagner aussi les artistes parce que voilà, on arrive et on est là juste pour jouer et rien d'autre. Et donc, il n'y a pas toute la pression qui est due à d'autres choses, que ce soit la com, le fait que ça marche ou que ça se vende bien ou que voilà. Donc là, je viens et j'ai juste à m'occuper de bien jouer et de prendre du plaisir à le faire. Donc, c'est quand même plutôt cool, quoi. Norbert, c'est très vieux quand même. C'est Norbert, on se connaît par disque interposé, il jouait dans des séances de studio et moi je jouais dans les mêmes projets, mais on ne se voyait jamais. Et donc, un jour on s'est retrouvés, je crois que c'était à Paris. Ah non, ouais, tu te rappelles ça et ça. On a passé la nuit à évoquer tout ça parce que Norbert, lui, il a autant d'anecdotes que Quincy Jones, parce que lui c'est un vieux routard aussi de la musique. Il m'a dit, je suis en train de faire un projet de disque et tout, est-ce que ça te plairait bien? J'ai dit, mais bien sûr. Félix, c'est la lumière, je dirais. Félix, il est lumineux et il ne s'embarrasse pas, Félix. Félix, il transperce les choses, voilà. Et avec tellement d'amour et tellement d'humilité en même temps. Et ouais, c'est de la lumière, Félix. C'est de la lumière, c'est solaire, Félix. Delta to another wound, pain to another pain. T'was a dream of freedom in the river. Mon frère était musicien, donc on a été baigné vraiment dans la musique en Afrique. C'est-à-dire beaucoup, j'ai vraiment commencé par tout ce qui est rock, en fait. Deep Purple, Led Zeppelin, c'est par ça que j'ai commencé à écouter la musique
tout. C'était vraiment rock, rock pur. Guitare et basse. On habitait à Douala. J'avais 6 ans. Et puis un jour, il y a un clown, un célèbre clown français qui est venu en Afrique dans les années 60-70. C'était Achille Zavata. Et en première partie, il y avait un petit bonhomme qui venait chanter comme ça, juste quelques chansons. Et c'était Aznavour. Et puis quand j'ai entendu la romance qu'il avait, le romantisme, de parler de la France avec des belles images et tout, de parler de l'amour, je me suis dit, j'ai pas dit que je vais faire de la musique, je me suis dit, je vais être Charles Aznavour. À taper sur mes cuisses, comme ça, jouer un peu à gauche et à droite. Et un jour, Manu Dibango m'a découvert comme ça un salon de la musique. J'étais en train d'essuyer des batteries. Et j'ai tapé de temps en temps. Il m'a dit, oui, ça m'intéresse, comment tu joues? Viens avec ton frère à la maison. On est allé chez lui et puis lui, il a eu confiance en nous. Et nous, on est devenus la section rythmique de Manu Dibango. Basse, batterie, mon frère à la basse et moi à la batterie. Et on changeait. Lui, parfois, il allait à la batterie et j'allais à la basse. Et Manu, il était content. Tant qu'on avait sa petite folie, là, bon, Manu, il adorait notre section rythmique. En bonne compagnie, Christian Bellam. C'est de la poésie, C'est-à-dire que là où il est étonnant, toujours, on est amis depuis longtemps, évidemment, en dehors du talent qu'il a, il a toujours ce regard de bienveillance, ça c'est vachement important, il a cette bienveillance et puis il a toujours cette poésie pianistique qui est incroyable, c'est-à-dire que on va rentrer dans un contexte de jazz et de blues qui va apporter quelque chose qui est assez décalé par rapport à ça. Et c'est là où entre la poésie. J'ai commencé, j'avais une douzaine d'années en fait, de façon un peu informelle, avec un piano un peu qui ressemble à celui qui est là, un vieux piano qui était dans une vieille salle des fêtes. Et j'ai récupéré ça, je l'ai accordé moi-même, plus ou moins. Et puis j'ai commencé à écouter des choses et puis à essayer de reprendre à l'oreille. Donc ma formation, elle est plutôt pas vraiment académique. Après, j'ai fait des études, disons, un peu plus sérieuses. Mais j'ai toujours aimé apprendre, finalement, de manière un peu autodidacte, on va dire. Pas mal de choses en fait, très variées, aussi bien de la musique on va dire classique. J'aime bien plutôt les compositeurs du 20e, c'est quand même parce que il y a beaucoup de couleurs chez Debussy ou Rachmaninoff ou Ravel, que j'adore. Il y a des couleurs vraiment formidables et qui rejoignent d'une certaine manière la musique, le jazz, et donc ça me passionne. Down here the river meets the sea.
And in the sticking heat I feel you open up to me. Love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane. And it feels like rain. And it feels like rain. Au départ, on doit être guidé par certaines fréquences, je pense, mais aussi par un rôle dans la meute, on va dire, et un positionnement qui est assez finalement, je ne vais pas dire basique, bien que ça le soit, mais surtout principal, un petit peu comme une poutre dans une maison. Donc si la poutre tient mal, à tout pète, mais en effet, on n'est pas les rideaux. Hein, donc ça définit un petit peu le rôle de la basse et ce pourquoi certainement inconsciemment on choisit ça. Alors, Laurent, nous pour plaisanter on dit fondateur. Fondateur, c'est un pilier de solide, hyper solide, mais solide à un point incroyable. Ouais. C'est dans ses gènes, j'ai l'impression, c'est génétique. Il y a une solidité physique, mentale, et qui transperce tout ça, qui se retrouve sur sa basse. Alors ça pourrait être grandiloquent, ça l'est jamais. C'est toujours au service de la cause. Et il l'a certainement bien que tout d'un coup, ça apporte une façon d'enjoliver les choses qui est incontestablement sans mesure. Voilà, moi j'aime beaucoup être avec Laurent, évidemment. C'est pas un instrument d'un abord très difficile, en effet, parce que quatre cordes, a priori une seule à la fois. Donc, en effet, on peut aborder, passer les soucis physiques, ça fait un peu mal aux mains ou quoi, mais ça passe vite. Mais justement, la difficulté réside dans quelque chose d'un petit peu plus subtil qu'aller très vite ou faire des solos incroyables. Et encore une fois, c'est possible à la basse, hein, y en a qui le font très bien. Mais quand on croit que c'est facile, ça l'est pour aborder l'instrument. Après, la fonction et le caractère qu'il faut pour bien remplir cette fonction demandent de la réflexion, beaucoup de culture musicale. Le reste ne nuit pas. Et d'abnégation pour le collectif. Il y a ceux qui sont campés sur des positions d'esthétique musicale et des choses comme ça. Moi, je serais plutôt du genre à aller chercher les autres et aller m'intéresser à l'horloge de chaque batteur avec lequel je joue, de sa culture, de ce qu'il a, de ce que j'ai à tirer de sa culture. C'est un petit peu inconscient, hein, j'en fais pas un concept, mais c'est ça qui m'intéresse finalement. Et donc, comme je pense qu'il n'y a pas de vérité, chaque expérience est bonne à prendre et à positiver.
second feels like rain, yeah. Christian Bellhomme, Jesse Lee Houlier, Laurent Verneret, Félix Sabaleko. Merci. Merci à tous. À bientôt. Thank you.